Le ministère français de la Défense a déclaré que près de 20 000 sites dans le pays avaient subi la cible de pirates informatiques après les attaques des djihadistes qui ont fait 17 morts la semaine dernière. Le chef de la sécurité informatique pour l'armée française, Arnaud Coustillière, a indiqué que les pirates islamistes étaient à l'origine de la vague sans précédent d'attaques informatiques. Il a ajouté que ces attaques avaient commencé après la grande marche de dimanche dernier, pour rendre hommage aux victimes des fusillades de Paris. Environ 20 000 attaques ont touché une grande diversité de sites, allant des restaurants de pizza aux écoles. Les attaques ont soit fait tomber les sites, soit modifié les pages Internet. Arnaud Coustillière a fait savoir que parmi les cibles, il y avait eu deux régiments de l'armée, dont une école. Il a enfin déclaré que le ministère de la Défense avait décidé d'accroître sa vigilance au niveau de la sécurité.